Mesdames et messieurs les échevins, chers conseillers communaux de Comines-Argenton, mesdames et messieurs les adjoints, chers conseillers municipaux, chers très nombreux membres de nos associations, représentants des associations patriotiques, chers membres des associations également, chers concitoyens, soyez les bienvenus ici en cette salle des sports d'Outempi, vous voyez, a été totalement repensée et pimpée pour l'occasion. Alors c'est pour nous le troisième, c'est le marathon, c'est la troisième séance des vœux à la population pour ce volet-ci. Hier soir c'était dans cette même salle les vœux pour l'ensemble des commerçants et indépendants de Comines-Argenton. Ce midi c'était les vœux pour le personnel communal de Comines-Argenton et donc le marathon s'enchaîne et se termine ce soir avec les vœux à la population. On a évidemment dû s'adapter suite aux travaux qui ont lieu, qui commencent tout doucement dans le centre culturel de Comines. Donc c'est probablement pour quelques années encore qu'on sera en itinérance un peu partout à Comines-Argenton. Alors cette année, on a décidé d'organiser une séance un peu plus ludique. Vous voyez que vous avez un écran juste au-dessus. On sera assis sur le petit salon et on le fera de manière beaucoup plus ludique, comme si on était dans un talk show télévisé. C'est vraiment avec le souhait de rendre pour le public l'information qui sera la plus efficace et la plus sympa possible. Au sein de l'enfant, on a eu 60% de petits garçons pour 40% de petites filles. Alors c'est vraiment une curiosité, c'est analysé d'ailleurs un peu plus long. On essaie de comprendre pourquoi on a autant de naissances de petits garçons à Comines. Ça vous fait bien. Alors, 2023, c'était également 42 mariages et 75 cohabitations légales. Hein, on voit aussi ce phénomène dans la société, hein, l'évolution de la société. 2023, c'est également 258 décès qui ont été recensés. Alors, on a évidemment pensé pour toutes les personnes qui nous ont quittés au cours de l'année passée, qui restent évidemment dans le cœur, jour après jour. Comines-Argenton en 2023, ce sont 69 nationalités représentées, avec évidemment dans le top 3, on reconnaît depuis quelques années aussi la présence des Ukrainiens, ça fait suite évidemment le conflit russo-ukrainien que l'on connaît. Voilà, des petites nouvelles assez rassurantes, assez positives pour notre pays, puisque vous le voyez, la population de Comines-Argenton est en nette progression depuis quelques années. Alors, monsieur Zou, vous êtes échevin de finances, vous aimez les chiffres. Cette nouvelle pyramide, avec sa ventilation en fonction de tranche d'âge, jusqu'à quelques centaines.